Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce lundi, règlement de compte devant la commission d'enquête sur la drogue. Lors de sa nouvelle comparution, maître Raouf Gulbul a réglé ses comptes avec l'avocat Tissa Chamleul, qu'il avait compromis devant la même instance, fournissant même des échanges WhatsApp. Elle s'est comportée en enfant gâté pour nous accompagner à l'île de la Réunion. Elle a fait du shopping et n'a même pas remboursé le prix du billet d'avion, dit Raouf Gulbul. L'avocat a aussi rappelé à l'autre sur divers autres aspects de son audition. Le procès intenté à l'ex-PPS Thierry Henry suivant l'accident qui a coûté la vie à Stefano André en avril dernier a été appelé en cour intermédiaire aujourd'hui. L'avocat de la défense, maître Hervé Duval, a évoqué des anomalies dans le dossier à charge. Le député du PMSD répond de 5 accusations formelles. Le procès a été renvoyé au 7 mars 2018. La route a fait de nouvelles victimes depuis hier. Viasing Balog, 37 ans, un habitant de Fontussac, a été retrouvé gisant sur le sol près de sa motocyclette hier soir dans la localité. Pour l'heure, les circonstances de cet accident demeurent floues. Quant à Anand Sitters, 65 ans, un policier à la retraite, il était à moto lorsque son véhicule est rentré en collision avec une voiture. L'accident s'est produit aux alentours de 8h30 ce matin à Dépinay. Il n'a pas survécu. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.me.